J'ai toujours conseillé Bandeko que Banda Business au niveau à Congo, ils ont vraiment passé. Et cette erreur, je dis ça souvent aux gens, que aux gens n'a pas tout, pourquoi pas au la business one n'a pas tout. Au moins, beaucoup de gens se disent que t'es, qu'au lancer business au niveau à Congo, peut-être c'est moins coûteux, ou bien peut-être Congo, c'est plus facile parce que, idée, ils ont plus facile. Tout petit exemple, à n'a pas tout, ceux qui m'ont aligné taxi, la plupart des gens, ils savent qu'ils vont prendre un Uber. Mais au niveau du Congo là-bas, ceux qui ont besoin d'un taxi, il faut un appétit à Kenelibanda. Soit toi, tu peux aller en vacances au Congo, tu te dis que non, pourquoi pas Kenapena lancer Uber, parce que tu as pensé que c'était une bonne idée. Mais tu as oublié que aux vivre dans Poto. Donc c'est vraiment, vraiment pas facile. Il y a eu beaucoup de coups que les familles, ils ont. Yokeli, famille d'abord, on m'a arrêté. Au moins, c'est ça le problème. Il y a eu beaucoup de déceptions vis-à-vis des familles au niveau de l'Afrique. Alors, j'ai trouvé une vidéo par un chroniqueur, Fabien Kouswanika, que je vais essayer de pas montrer cette vidéo-là et je vais laisser des commentaires sur ça. Alors, je vais vous demander, restez scotché jusqu'à la fin et vous allez trouver que cette émission va être vraiment, vraiment bénéfique. Restez scotché. Bonjour la famille, bonjour, c'est Aimé Bositampen. Je vous demande, avant de commencer, que beau Aimé, c'est bon, wapie, 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 yeyo, yeyo. Beau Aimé, YouTube langa, Aimé M Bositampen officiel, beau Aimé, beau s'abonner, beau partager ma vidéo, beau taper ma commentaire. J'aimerais bien avoir vos opinions par rapport à la vidéo où on va analyser ensemble. Moi, on peut s'opiner là par rapport à connaissance là, il y a business, mais j'aimerais aussi avoir vos opinions sur ça. Parce qu'il est très important de tout partager. Nous sommes une communauté qui est une communauté très intelligente, très forte, mais quelque part, nous avons aussi une faiblesse. Et faiblesse, la vie sur les a vraiment partie économique. On doit essayer de faire mieux les choses parce que nous sommes une large communauté. Ceux qui ont la diaspora, tous à 10 millions, et en RDC, tous à plus de 100 millions, ça fait quand même une grande population. Alors, cette population-là, nous devons être forts économiquement parlant aussi. Parce que ceux qui vous en ont été, partout où vous allez partir, vous ne serez pas respectés. Alors, je vous demande encore une fois de prendre quelques temps, abonnez-vous, cliquez la cloche, comme ça, à chaque fois que nous recevons la vidéo à Sika, vous allez être notifié et puis partagez, comme ça, on découpe mon mona. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Alors, nous allons pas traîner, on va commencer. Je vais faire entrer la vidéo et il y aura des temps que nous tiendrons pause juste pour analyser cette vidéo-là et j'aimerais aussi avoir votre opinion sur ça. Surtout ici dans la diaspora, si je vous dis le nombre de familles où est Kabwana, parfois ils sont beaucoup plus ennemis que Batualibanda, vous ne pouvez pas croire. Hein? En dehors même Yawana, nos propres familles, sont pour autant bateau Bakendagisha, ça. Salamoua, ce sont leurs propres familles. Leurs propres familles, Baruinaba. Je pose un peu, j'avais parlé de ça. Beaucoup de gens, Oyo, besoin de déception, ils ont leur propre famille. Ils n'ont même pas étrangers. Koutou, je pense que même étrangers ou bien des gens que tu ne connais pas, ils ont plus de doutes de vous faire du mal. Parce que, maybe, au cours de Kang mes familles, le bas est toujours nés. Si ma famille est Benanaka, mais Katanate, à ta soeur qui n'a les mbongs, ils ont des konanga. Donc, il y a trop de laisser famille, de laisser aller, pardon. Mais, quelque part, on voit que c'est ma faute. Parce que, on est en train de ruiner les opportunités au Yomutu. À ça, il va sacrifice naé. A travaillé dur, il a bossé à Kangisimbongo pour lancer son projet, mais c'est la même famille aussi qui a ruiné ça. On continue la vidéo. Sa propre famille. Plus jamais. Plus jamais. Surtout, parfois nos familles nous prennent en otage. Parce qu'on a dit qu'on boit comme un maté. Mais il nous prennent en otage, ils sont esclaves quelque part.
Il y a deux mots qui m'ont beaucoup touché, esclave et otage. Tous ces deux mots, c'est des mots très négatifs. Imagine-toi que, au commis esclave, imagine-toi qu'il va jouer otage et les gens qui t'ont fait ça, les propres familles là. Parce que quand on pense otage, on pense peut-être des terroristes, on pense, je ne sais pas, quelqu'un qui a une mauvaise intention, agir en otage, ou bien esclave, c'est aussi quelque chose de négatif. Mais oh, ils assurent qu'aux familles n'ont mon coup propre. Je me demande comment est-ce que tu vas te sentir quand tu as dépensé ton argent. Bon, oh yo, tu as transpiré, oh, sacrifié, et après, c'est ta famille qui te font ça. Tout continue. Une dame ici, maman naïe, a zopo bela. Tindambongo, moutons à mon grand frère naïe, propre. Tindambongo, 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 ah maman, si quoi, comme moi bien, bon, dengeni, tout ça, nanso naïe, non à déplacer, ah bon, bon, et les qui, ainsi de suite, bon. Comme ça, on va reprendre la crébati, bah, comme bah, quand il y a photo, bah, quand on a carabatine, voilà, c'est quoi, comme moi bien, et ainsi de suite. Moi, si bon, si vous pouvez, naïe, maman, comment on va, naïe, natala, inde, inde. Kitina kin. A comme une quartier où bateau bateau yambaye bazo lela. Oh, comment va pas quoi? Nini, oh maman Azat, oh maman Azat, ça veut dire quoi? Mais nga bahuti koye bisanga ici, il y a pas quelques jours que maman va bien. Pas nani, oh pas grand frère. Abi non, maman Koufa, ça fait 2 semaines. Mais comment? Maman Koufa depuis 2 semaines, mais moi je ne sais rien. Abi oui, maman Koufa. Maman Koufa bakundi. Mais c'est quoi comme histoire? Il y a nani grand frère la bête na kiti quoi là? Abi yo sama yebi sakayo mama kufi yo lingoti na mbongo. Na seki pour la audacité. Vous voyez ce que je disais? Des chocs. Yo yebi kaka ki mama zoe la, donc ma koufa ki na déjà 2 semaines, mais au bon sens, bah, ils ont 2 mois en fait. Mais imagine-toi le choc que ozoti na mbongo, et c'est ça la famille. Qui ne connaît pas des histoires pareilles? Qui ne connaît pas ce genre d'histoires? Au Tindimbongo, pour le Pango, le Pangoana, bah, salaté. Ou bien, bah, au Tindimbongo, bah, photo, bah, voisin, bah, le Pango voisin, bah, l'action peut que le Pango est mati, et puis tu voyages pour aller au Congo, et puis, tu te rends compte que le Pangoana est acquis à Yoté. Nani ayoka, bah, histoire wana te. Nani ayoka wote. Mais, ah, ils sont encore plus graves. Oyebi ki maman azaki gravement malade, ozoti na mbongo, maman akufi. Mais famille e bombe yo. Et grand frère zo dondo na ye na kiti kwa la, a bombe na ye. Okay. Ce qui n'a pas qui au vérité, tu n'allais pas envoyer l'argent. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Faut continuer. Ils sont comme ça. En général, ce qu'on a dans la famille, nous, bah, ndeko, ça a quelque chose, bah, là, sincère, c'est qu'on a quelque part béni. Mais, bah, témoignage, dans le bah, oyo, et ça, tellement, dans le bah, 2 semaines, maman Koufa depuis 2 mois. Donc, ce qu'on a dans la batou, oyo, bah, là, nini, moi, là, moi, c'est habi, n'a qu'un attaque, à ou mena te, à ça, là, je pense, 4 jours, nia, à changer habi, à ta, ta, liga, à cimetière. Allez, retour habi, à partir d'aujourd'hui, quoi? Bah, déception, on est à combien? Donc, ne nous fions pas, Nabilo Koyanini, oui, si la famille est tata nagate, mais quand Moutou Aza traître na katia famille, tant que Moutou Aza mte mabe na katia famille, tant que Moutou Aza li esprit solodion na katia famille, et ça sous famille te. Je préfère un ami avec un azoko yokane bien, que membre à famille ou azoko tangan soki. Donc, et ça là, au moins, clair à ce niveau. Bon, ça c'est mon point. Moi aussi, j'ai toujours dit ça aux gens, que quand vous avez à faire, ça n'a rien à voir dans la famille. Ça n'a rien à voir avec amitié. Ça n'a rien à voir avec intimité. Donc, il y en a moins sinon. Ça a à voir avec vision. C'est ça qui est très important. Sauf que vous n'avez pas la même vision, ça ne sert à rien. Et que vous avez un grand un frère, un maman, un sister, ça peut. Mais sauf que vous n'avez pas la même vision, ça sert à rien. Nga na zwa grâce wana, que nous avons salué sur grâce que moi et lui, nous avons la même vision. C'est pour ça qu'on peut bien travailler ensemble. Ça n'a rien à voir avec mon ego, ça n'a rien à voir avec son ego à lui. C'est avec la vision. Ouais. Parce que je vous donne un petit exemple. Bah, oui, bah, et bien, Boss Brother. Dans Boss Brother, nous sommes deux personnes. Il y a moi et il y a lui.
La plupart des gens, ils pensent que c'est Aimé qui a le dernier mot, c'est Aimé qui prend toutes les décisions. Et lui, il est là pour exécuter. Mais on est à faux. On est à complètement faux. Aucune décision, et je vous dis, aucune décision est prise sans aval de moi et lui. Ce qui bisomi balé, tout ça d'accord, tout ça les lorwana te. So ki nana lui tout ça d'accord tout ça l'angote. Pour que nous prenions une décision nana lui, moi je dois venir avec mes arguments, la présenter mon projet ou bien ce que je veux faire et je dois pouvoir débattre, on doit débattre ce sujet-là et je dois pouvoir défendre ça. Ce qui aboie, ça veut dire que ça ne se fait pas. Il n'y a pas que, oh, vous devez avoir, être trois pour toute la majorité à vote. Non, puisque nous sommes deux. Il faut que tous les deux donnent Dima. Et c'est vice-versa. Lui, il sait très bien que ceux qui aillent pas Nanga, avec une idée, avec un projet, avec une conception, il faut aller à Mindoukina. Il doit pouvoir argumenter cela. Il faut à convaincre Nga. Sinon, ça ne passe pas. Et c'est ça que je dis, avoir une même vision. Toi, que ça n'a rien à voir avec nos pensées personnelles. Ça n'a rien à voir avec nos envies personnelles, nos objectifs personnels. Tout ce que nous prenons comme décision, il faut y bénéficier compagnie. Parce que nous avons la même vision. Alors, quand tu trouves une personne comme ça, vous êtes béni. Mais si tu n'es pas une personne comme ça, dans ta famille, chez tes amis, tu peux trouver ça en sollicitant des gens. Tout ça, Anapoto. Est-ce que manager, il y a Tesco, il y a Tottenham, est-ce qu'il y a Ayebi propriétaire compagnie? Non. Ayebi était, mais il peut travailler dans la société, il est gérant dans la société. Parce que tu travailles avec des gens qui ont la même vision, ou bien la personne qui peut accroquer qu'on côté la vision là-haut. Ouais. Il faut accroître la vision d'ailleurs et puis vous travaillez et puis bien sûr vous mettez les garde-fous pour protéger l'intérêt. Mais c'était juste pour dire ça, on continue la vidéo. Ce sont nos familles, te revoir à Bangote. Mais surtout, nous sommes dans la diaspora. Ah, je pense, hein, Edmond, vous pouvez réfléchir ça. Edmond, vous pouvez réfléchir ça. Au moment où on a parlé, ce nombre à battre vendre dans Ndakou, tout le monde qui vient du soit du village, de tout le monde à Zawana. Nous devons aider les gens. Tout le monde va parler, il va tout, de tout le monde va parler. Mais à un certain moment, il faut savoir responsabiliser les gens. À un moment, il faut savoir responsabiliser les gens. Je vous demande de faire un petit calcul, Nengi Moutouzana, Oye J'avais parlé que au Tongindako, Yomokozo vivrait. Nani ayokaba isolowanake. Au sommet terrain, au Tchibako clôture, je dis que quoi? Nazo cousin nanga, nazo maman leki, nazo oncle, bafana na bangwana, comme ça, bazo protéger les nga l'opango pendant que nazo tonga. Yepa on dit ma. Oui, il n'y a pas de problème. Pendant que bozo tonga, nga, je serai là, non, bah, non, katamati, je vais protéger que moutoumoussou sayate, tout ça, tout ça. Et puis, bani, tonga, malembe, au bout de 5 ans, quand Ndakounio se silie, c'est bien prêt, pendant les 5 ans-là, il y a déjà, nabanane, bah, j'ai déjà ma peka, bah, mais ça n'est déjà dans Ndakouana, comme les autres tonga, ma. Et puis, au bout de 5 ans, Yosiko Yebisa Bangokete, oncle Bima, il faut naturellement le locataire. Nani akubima. Nani akubima. Et c'est ça les réalités. Donc continuez. Au sali 10 ans, 20 ans. Fais un peu les calculs, il y a Mongo, Tozong, Isarana, Congo. Si on veut calculer en haut, on est au Tindara 200, 300, 100. Il y a un calcul au bout de 10 ans. Mongo, Tindara. Ça va être calcul à deux niveaux. Premier calcul, pose du montant en haut. Regarde ce que tu aurais pu faire avec cet argent-là, en termes d'investissement, si on veut dans la logique macroéconomique. Première chose. Deuxième chose, regarde ce que ça t'a produit, toi, en termes, il y a
Voilà quoi. Qu'est-ce que cela a produit? Est-ce qu'au côté ici, dans la classe, ça c'est un investissement sur la côté classe. Mais ce que je pense que nous devons arriver à responsabiliser nos frères au pays. Moi, ce que je vais dire par rapport à ce que Fabien vient de dire, 10 ans, c'est beaucoup. 10 ans, c'est beaucoup. Imaginez-vous. C'est pour ça, dans le salaire, na fongli chen oyo, c'est pour tout à là, comment est-ce que nous aussi, Congolais, on peut commencer à grandir financièrement. Na anglais, babengango, financial literacy. C'est très important. Comment est-ce qu'on peut commencer à créer generation wealth? Donc, un argent, une richesse qui peut rester en génération en génération. 10 ans, à toute une question à bien. Imagine-toi, si vous savez calculer toutes les dépenses aux autres dans le Congo pendant 10 ans. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? La personne, c'est un simple exemple. Si c'était que, à chaque fois, il faut tenir un bon au Congo, au tenir 100 dollars, 100 dollars moussoussous, au tien on a bourse. Il faut tenir 200, 200 moussoussous, au tien on a bourse. Il faut tenir 500, 500 moussoussous, au tien on a bourse. Donc, peu importe le prix, où il faut tenir un Congo, au tien on peut la bourse. Ah, dans le compte d'épargne, dans la bourse. Imaginez-vous combien est-ce que vous pouvez avoir. Après 10 ans. Avec une bourse qui peut-être qui fait que chaque année, aux autres bénéficient de 8%, 12% ou 15%. Imaginez-vous. Ça veut dire que, d'une autre manière, je peux dire que, ceux qui famille, ils ont besoin de 50 dollars, tu veux bon 25. Je te dis que non, 25, mais l'autre 25, il faut naturellement la bourse. Famille, ils ont besoin de 500. Au tien 250, 250 au tien on a bourse. Je vous parie, après 10 ans, on aura beaucoup de millionnaires congolais. Si c'est pas millionnaire en liquide, mais ça va être des millionnaires, quoi ça, dans les années qui viennent. Pourquoi? On peut se retrouver avec des 100 000, des 200 000, des 300 000. On peut facilement. Parce que à chaque fois que, dans une année, si on retient à peut-être 5 000, donc chaque année, aux outils, on a 5 000. Imaginez-vous. Chaque année, aux outils, on a 5 000. Plus l'argent de bourse, peut-être, ils ont peut-être 12%. Bien, tout peut ça, exemple, 10%. C'est-à-dire que 5 000 est commis, 5 500. Année prochaine, on tient encore 5 000 et commis encore 5 500. C'est-à-dire que, dans 5 000, oh, dans 5 500, voilà. Plus 5 000 est commis, 10 500. Plus intérêt, les sous-sous. Après, deuxième année, troisième année, 10 ans plus tard. Beaucoup, mais là, combien? Imaginez-vous. Imaginez-vous que ceux qui sont congolais ont commencé à réfléchir comme ça. Parce que la plupart des temps, je ne dis pas à chaque cas, la plupart des temps, ceux qui sont famille, ils ont besoin de 250 dollars, ou bien ils ont besoin de 200 dollars, passer avec 100 dollars. Je ne dis pas à chaque fois, mais la plupart des temps, ils peuvent. Ils ont besoin de 200, ils obtiennent 100, 100 et moussous soutien, on a un compte de bourse. Imaginez-vous. Donc, ce que Fabien a dit, c'est vraiment une très bonne question. Ce qu'il fallait au comptabiliser toutes les dépenses qu'on salit pendant 10 ans, tu auras combien et qu'est-ce que tu as fait? Bon, on est à à part qu'il y a tout à quand tout. On continue la vidéo. Si l'Afrique n'avance pas quelque part, parce que, en fait, des gens sont des consommateurs. Je vous dis, il y a des gens, hein, à Vanille, à Lamoukina Tongo, ils ne font rien. Ils disent que non. Ils ont un mouton, esclave, mon un poteau à routine dans la fin du mois, 100 dollars. Je dois m'arrêter là. Ce mot consommateur. Je dois faire une émission juste sur ça. Congolais. Ah, nazo le blabla congolais. Africain, oui, mais ah, nazo le blabla congolais. Nous sommes des consommateurs, mais incroyables. Nous sommes des consommateurs. Consommateurs zanani. Moutou oyo, azo dépenser caca.
Azo dépensé, azo dépensé, azo dépensé. Mais il ne regarde pas comment est-ce que moi aussi, je peux gagner. Consommateur. J'ai une vidéo, en tout cas, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, je vous conseille, parce que j'ai une vidéo que je veux faire. Je vais dire que pourquoi est-ce que c'est mauvais de consommer les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que ça m'a bé? Parce que bandeko mingi baza scotché na réseaux sociaux. Ma casse. Réseaux sociaux, ça m'a bêté. Mais pourquoi est-ce que juste consommateur? Pourquoi pas que yo peut créer chaîne où il y a YouTube, chaîne où il y a Facebook, chaîne où il y a TikTok, que yo peut obano kote ça va revenir. Pourquoi est-ce qu'il faut ta là, comment batou moussou sou bazo gagner ba 1000 dollars, 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros sur les réseaux sociaux? Yoza wana juste consommer. C'est pour ça la création oyo. Bon, au fond, là, je vais vous montrer comment et combien des autres chaînes congolaises bazo gagner chaque mois. Le prix que je vais vous montrer, ça sera pas 100% correct, ça va être peut-être à 80%, mais ça vous donne déjà une idée. Je ne dis pas ça parce que ezamabe pour bandeko oyo ba gagner mbo na ba. Mais pourquoi pas yopé ou gagner pé? Parce que nous sommes des consommateurs. J'ai besoin que tout change dynamique. Voilà. Ne soyons pas seulement des consommateurs, mais soyons aussi actifs participants. Tout appelé actif, pas passif. Passif, les gens sont oyo, azo consommer, azo relaxer, na kaka. Comme ne kwana na kiti kwala, tout a besoin tout appelé actif. Ça veut dire que nan azo tal ma vidéo na yo, azo gagner. Yo pe azo tal ma vidéo na nga, azo gagner. C'est ça. Ils sont tous là actifs parce que nous avons besoin d'une communauté forte, une communauté où ils ont ma casse financièrement. Et ça demande tout côté d'un jeu. Puis surtout, tout le monde, génération Android, génération Android. Mais nous sommes dans la génération Android. Les gens ont la facilité tâche que nous tenions à ce qu'on fait la chaîne ailleurs et les réseaux sociaux. Et puis, ils ont gagné un bon. Ce que ils ont autant la bise, pourquoi? Pourquoi ils ont autant là? Donc, ils ont un bon côté? Je pense pas. Alors. Alors, je vous demande encore, abonnez-vous, partagez cette vidéo, et puis, tiquez-la dans les commentaires, ma chaîne ni, ou l'ing, ou y'a, bah, ceux qui basent au coût de ça combien. Ou chaîne à théâtre, ou chaîne à polémique, ou chaîne à ceci, y'a politique. Chaîne ni, y'a, ils ont besoin, ou y'a, bah, combien basent au gagner, chaque mois, et puis, je vais te montrer ça. Et en montrant ça, c'est pour n'inspirer, yo. Parce que c'est pas à 100%, c'est à peu près 80%. Mais ça sera pour nous inspirer yo que yopé au coma un participant actif. Nous allons continuer la vidéo. Tokomi presque la moitié. On va essayer d'avancer un peu. Pour bannir. C'est fini. Ça, c'est limite là. Et il est. C'est sa vie. C'est comme ça. Ce qui va belli, ben ça n'a pas de benga. Oui, exactement. Quand je le dis, Ngambo on en a quatre. Hein, donc, il y a différentes. Peut-être même que Ngambo est pire. Mais à un moment. Il faut que nous arrivions, maintenant, nous devons aussi responsabiliser BAC. Donc, les je préfère encore ceux qui n'ont pas 500 dollars. Au lieu de dire que nous avons dispatché, le bon, les lots 500 euros, nous avons pensé yo, awa, comme responsable dans le niveau de la famille, mais nous avons débrouillé dans le bon goût. Ceux qui ont un bon goût, yo nanga to bebani ni bela. Débrouillé. Nous, nous sommes Lucas Mwanda, nous sommes la famille responsabilisée. Yé. Aïe, bako Lucas, c'est très important. On en a assez, il y a pour supporter la misère, il y a Afrique, il y a ma famille. Ce sont nos familles. Nous devons, nous avons le devoir de solidarité pour aider Bango, mais les KT. Et les KT. Tu vois que nous devons tambola, nous devons tambola. Makanicheza ailleurs. T'as la plupart d'Africains en est là. Tu vois que Moutou Makanicheza ailleurs. Mais si on continue à vivre na ye, au moment là que, yé moko, sa propre vie, ou ya zoko vivre awa, et zanasima, il pense plus bato ya tika na Congo kuna. Est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'il y a problème tel? Tolata misère ya ba famille na biso, tolata baninyo surtout. Et pourtant, nous avons un pays, oyo, ezali. Bon, là, il commence maintenant à rentrer un peu sur un autre sujet, mais juste pour toucher sur ça, parce que nous aussi, ça m'amuse dans quelques minutes avant, j'ai pas envie que la vidéo ait dépassé, et comme on a 30 minutes,
Moi, j'ai un ami qui avait rendu l'âme à se suicider pour na ba souci ya mboka. Il se sentait qu'il y a comme un qui pour la famille. Et il a préféré de se tuer. Ami bois qui n'a rien à craindre. C'est juste pour dire que Poto a stressé ses âmes à casser. Parce que tu travailles, tu travailles, tu travailles, mais tu vois que aux avancées. Allons la Fabien, aux monaqués, aux avancées. Donc, moi je vais dire, tout ça la business. Lançons-nous dans l'entrepreneuriat. Cherchons à avoir plusieurs sources d'income. C'est ça qui est important. Au money. C'est ça que je dis que tout lié là, comment faire de l'argent. Tu peux travailler, tu fais ton 9h et 17h, mais aux appels, la chaîne, peut-être, il y a YouTube, les autres côtés, peut-être, chaque mois, 500. Aux appels, la chaîne, non, il y a TikTok, les autres côtés, peut-être, 300. On peut appeler qu'à moi, Souki. Les autres côtés, peut-être, 200. C'est ça, en fait. C'est qu'au bon moment, quand tu prends ça, tu dois savoir comment combattre le sang. Mais avant, au Kimamba ou au Congo, en Afrique, pour aller investir, réfléchis d'abord. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire qu'au Kenya Congo pour investir ou bien lancer business dans un mot pour Awa? C'est vrai que Awa, bah, taxes à ma casser. C'est vrai que Awa, il faut avoir un document. Oui, c'est vrai. Mais c'est la même raison pourquoi Awa est plus fiable. Parce que tout est en ordre. Tout l'ingimbo, et il y aura un temps que nous devons investir. Mais pour le moment, ceux qui n'ont aux commis, aux ananas nous prêter, je te conseille, investis où tu es. Investis, lance ton business où tu es. Et avec le temps, quand aux autres appelés expérience, aux autres appelés maturité, tu pars lancer ça au Congo. Non, ce canard, point Oyo. Na Eda ba te bele et au créer ma chaîne YouTube là-bas. Bon, c'est pas gratuit, c'est un service, je les charge l'argent. Et là, dans moi, il y a plusieurs personnes. Balinga, ma chaîne YouTube, na bango. Bazu, journaliste à niveau à Congo. Allez, il faut bâtir les caméras. En plus, ma journaliste, on balinga, les dernières caméras. T'es mère, il faut caméra, on a qualité HD ou bien qualité 4K. Atini, t'as 2-3. Au moins, parce qu'il faut t'as 2-3 caméras. Parce qu'il faut que pendant que tu es au salle d'émission, ah ouais, il va journaliste, on soube au salle d'émission, Kuna, comme ça, tous en la vitesse, on coûte sa biloko. Alors, laptop. Il faut que tout attends à 2-3 laptops. Parce que tu vois, quand tu es à la montagne, tout ça, la montagne, mon sous, parce qu'il faut tout à la vitesse. Là-bas, la lumière. Parce que, ah ouais, Congo, na boutou, courir, quand t'en as pas ma pama, il faut la lumière. Pardon. Boutou, quand t'en as pas, il faut la lumière. Batinda, batinda, batinda. Et quand au Tindi, tu te retrouves que, aux organités. Aux organités, pourquoi? Un, aux eaux contrôlées, bah, toi, naté. Bah, aux eaux coûtent, ça, bah, élément, quand ils veulent. Deux, Yomoko, tu n'es pas en train de maîtriser ta chaîne. Aux eaux maîtriser, bah, c'est que, bah, aux ça, là, comment est-ce que, bah, aux ça, là, haut, comment, bah, coûte, ça, à biloko, comment, bah, ça, là, haut, promotion, tu ne maîtrises pas. Hein? Comment est-ce que au côté d'un business que Yomoko aux attend, il y a qu'on maîtrise parce que Moutouna Kongo a Yébissio qui était mère, c'est qu'il a ça a confiance au monde. C'est pas ça. Moi je dis, ceux qui ont lingi qu'on lancé business na yo, au niveau fond la chaîne YouTube, j'attends na yo, yéko là c'est ce que tu dois faire. Abonnez-vous. Na ko pe sabino pe ba idée ya ba chaîne YouTube. Na ko pe sabino pe ba idée ya ba jean ni ba monsieur Bogo Sala ke ba mo se pre batala. Au moins parce que biso ba congolais tout ça juste na trois ou quatre types ya émission. Les a ba vlog. Entre moi di ba songi songi. Les a ba émission politique. Les a ba théâtre na ba émission ya ba chronique musicale. C'est tout. Tandis que ba jean ya ba émission ya ebele. Je vais vous montrer dans le monde le genre d'émission YouTube où ils sont les plus populaires, rentables. Qui Mingi, bah Mindel Mutubasala, ils sont rentables.
Il y a un gars, là, YouTube, il n'est pas le plus, mais il gagne chaque mois 4 000 dollars. Je n'ai pas dit chaque année, chaque mois 4 000 dollars dans YouTube. Je vais vous expliquer comment il fait ça. Non, l'axabino pe chaîne aïe vraiment comment ça fonctionne, ma contenu ni à Kotisaka. Comment on dit. Pour épé sabino ba idée. Ce n'est pas obligé que tout tic à la canne a quatre types. Parce que si on dit tout ça, la canne a quatre types. Ça veut dire que bisounion so, ton coup m'a tellement ébellé, tout ça a la même chose que ma revenu est aussi là. Mais quand tout ça varie, exemple, n'a dans le bela business, dans le bela développement personnel, dans le bela. Comment est-ce que tu veux évoluer comme communauté? Dans l'ingala, je ne sais pas ce qui me bat tout sous ce bazar. À ce qui me bazar, je ne pense pas que tu as mis ça tout. Comment on est? Donc, forcément, tu as un bon nombre de vues parce que tu as ébélé. Mais ce qui n'a pas na kotika na soni soni, ça veut dire que nana la rose, tu as bounana. Nana, je ne sais pas, decho, tu as bounana. Nana, era, tu as bounana. Donc, au moins, il y a tout au bounana, quand on a même ben. Tandis qu'il y a beaucoup à faire. Mais ce qui est vrai, chacun a sa place. Alors, cher ami, nous sommes arrivés à la fin. Je ne voulais pas que tout comme on a 30 minutes, mais tout comme on a 30 minutes, je vais vous demander encore une fois, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne officielle Nanga Aimé Mbositampen. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour vous avoir une notification, parce que ma notification non, elle est très importante. Et que Sabino à chaque fois qu'il y a un petit élément à ce cas, aimez la vidéo, vous tchao un commentaire, vous voyez Bissanga, qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous ai dit? Ma chaîne Nini, il y a YouTube, Bino Bozana, pour ça, bah combien vous avez gagné? Ma Jean Nini, il y a émission, Bozana, pour ça, bah moi je vais vous aider avec ça. Donc, Bozana Scotché en tout cas. Je vous remercie et à très bientôt. Pour un nouveau numéro.